Le programme là, c'est ça qui est la fonction. La fonction dont il est la DIV, dont la DIV, dont le conseil est la DIV. La fonction, c'est ça qui est le problème. Dans la DIV, le conseil. C'est comme ça. Donc, laisse-moi ceux qui coïncident chaque fois. La conseil, la DIV, c'est quoi? C'est quoi? C'est une personne qui fait quoi? Qui coïncide chaque fois le conseil à quoi? Le conseil au problème. Et tout trouve la solution. Il coïncide ça. Et tout trouve la solution. Donc c'est un marquois. Il ressuscite quoi? C'est un marquois qui ressuscite. Ressuscite ce qui est, ce qui manque. Ce qui manquait. Dans cette expression-là. Il allonge. Il allonge le ressort. C'est comme ça, il trouve. Tel est l'exponentiel. Exponentiel, c'est évidemment marquois. Et marquois, c'est quoi? C'est le marquois, c'est l'exponentiel. Et c'est Dieu, exponentiel. L'exponentielle. Cette belle fonction est toujours égale à sa dérivée et du coup elle transforme 0 en 1. C'est-à-dire, elle transforme 0 en 1, c'est-à-dire elle ressuscite le mort. Le 0, c'est ça qui est le mort. Le 1, c'est ça qui est le vivant. C'est un marquois qui ressuscite. Qui ressuscite le mort, ce qui manque là. Il ressuscite, il allonge le ressort. Tel est l'exponentiel, le marbouya. Allons-y. Le marbouya. L'exponentiel. Et de quoi? Ceci dans et cela, je vois quoi? Je vois acte. Maintenant, en ciel, pourquoi en ciel? L'arc-en-ciel. C'est quoi? C'est le drapeau. Le drapeau de l'horizon. O-N compense l'horizon. Et l'arc-en-ciel, c'est le drapeau de l'horizon. L'horizon, c'est le lieu où le ciel semble toucher la terre. L'arc-en-ciel, il y a les couleurs là, il y a les couleurs de l'ciel, c'est quoi? C'est, en fait, c'est un drapeau. Un drapeau de quel pays? De l'horizon. Le lieu où le ciel semble toucher la terre. Et l'horizon, c'est quoi? C'est le caillou du ciel de la terre. C'est-à-dire quoi? C'est le trône de Dieu. Et l'arc-en-ciel, c'est son drapeau. Et drapeau, comme vous savez, c'est un représentant. C'est comme ça. Dieu même, c'est ça, l'exponentiel, qui est le marbouya, qui est en haut, et son représentant, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Son drapeau. Quel décision j'ai fait là? Regardez, ici, il y a la fonction 24. 24, c'est 1 plus 4, plus 18 plus 1. Ça fait 1. À la fonction 1, c'est A. À la fonction 4, c'est D. À la fonction 18, c'est R. À la fonction 1, ça fait A. Donc, cette partie-là, instant PO là, dans exposé de l'époque, A, D, R, A, O. C'est ceci qui est drapeau. Et ceci qui est A comme fois arc-en-ciel. Et le R, exponentiel, le R que vous pouvez entendre ici à la séquence, c'est ça qui est R. L'arc-en-ciel est le drapeau de l'horizon. C'est comme ça. Donc l'arc-en-ciel que vous voyez, c'est le drapeau de l'horizon. Et c'est quoi? C'est le représentant de quoi? Le drapeau étant le symbole, c'est le symbole de quoi? De l'exponentiel. Et l'exposé étant le marouya, c'est le symbole du marouya. C'est le symbole du marouya. Pour Dieu.
il n'a Dieu que lui.